au fur et à mesure que j'ai appris, j'ai réalisé que aimer, c'était d'abord apprendre à s'aimer. Et apprendre à s'aimer, c'est apprendre à se connaître. Apprendre à se connaître, pas simplement je me connais, que je connais mes forces, mes faiblesses, mais progressivement apprendre à connaître la source même de qui je suis. Et la source même de qui je suis, elle est commune non pas à tous les êtres humains, elle est commune à toute l'existence. Il y a une source unique à toute l'existence, l'amour de soi est la voie la plus rapide, tout en étant la plus douce, pour réaliser cette nature illimitée qui est en nous. Et ça avait du sens pour moi de dire que nous devions créer une épidémie d'amour. Et aujourd'hui, je crois que ça a un sens encore plus grand. Parce que c'est moi qui ai la chance véritablement d'avoir étudié hors des chemins battus comment fonctionne le corps. Je peux vous dire que si vous êtes en amour avec vous-même, toutes vos cellules, tout votre corps devient comme des millions de centrales, non pas nucléaires, mais des centrales d'amour qui diffusent l'amour autour de soi et donc la pleine santé.